Bonjour scrappeurs et scrappeuses. Donc on se retrouve aujourd'hui sur une création carterie sur le thème Halloween. Comme ça approche, donc je me suis dit c'est le moment de la faire. Donc je vais faire une carte assez simple. Je n'ai pas beaucoup de matériel sur ce thème et je vais utiliser le seul matériel que j'ai, on va dire. Ce set de tampons de chez Scrap Plaisir. Donc voilà, je vais prendre ça, bien sûr des encres et des papiers. Carte, donc j'ai pris un basil noir et je l'ai découpé à 26 cm et sur 13 cm et j'ai juste plié en deux, ce sera ma base. Et on va vraiment travailler là-dessus plutôt. Donc j'ai fait un carré de 12 cm sur 12 cm. Dans un premier temps, je vais travailler le fond avec une Distress, donc celle-ci, la Rip Persimmon. Hein, je suis désolée pour ma prononciation. Hein. Donc je mets ça pour protéger un peu tout ça. Et on va juste faire des petits cercles comme ça, travailler un petit peu. Donc je vais laisser sécher à l'air libre ou sinon vous pouvez utiliser le heat gun du séchage de la carte. Je vais travailler le fond avec les tampons citrouille pour donner un peu d'effet. Hop. Et je vais utiliser une encre Aladdin de couleur orange. Mais c'est le rendu que j'ai envie d'avoir. Voici un petit peu le travail avec les citrouilles. Voilà. C'est très léger, c'est ce que je voulais. On va sécher un peu tout ça. Set de tampons, je vais prendre la maison hantée. Je prends mon pad d'Ofcraft noir. Je tamponne bien bien le tout pour qu'il soit bien bien noir. Bien sombre. Peu déçu, je vais refaire une deuxième. Je vais repeindre une deuxième couche d'encre. Voilà, ça fait un effet que je voulais. Je n'ai pas de mots en N, donc je prends un alphabet
clé pour créer mon titre. Je vais juste mettre bout. Donc, je vais utiliser un alphabet de charte Mio. Là, j'ai découpé un rectangle de 12 cm sur 12 cm que je vais coller par la suite à l'intérieur de la carte pour pouvoir écrire un petit mot. Sinon, sur le noir, c'est un petit peu compliqué. Donc, par contre, ce que je vais faire, je vais un peu déchirer les côtés pour que ce soit plus sympa. Déchirer, voilà, vieillir les bords. Et donc, je vais travailler un petit peu les bords pour que ce soit pour rappeler un petit peu le début, le haut de la carte. Et je vais vieillir également cette partie-là. Cette carte là. Après, on va avoir ancré pour qu'on puisse faire ressortir à l'inverse la couleur un peu plus claire du papier. Il ne me reste plus qu'à assembler le tout. Donc voici la carte. Hop, un mot très simple. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Escrabignons les scrappeurs et scrappeuses. Bye bye!